Tout le monde t'aime, hein? C'est ton équipe t'aime, le monde ici t'aime, tes collègues t'aiment. Puis moi, j'ai décidé de partir à la recherche d'une personne qui ne t'aime pas. Et j'ai découvert quelqu'un qui t'aime pas. Hey, ça me surprend pas. C'est moi. Hey, je t'aime pas, France Beaudoin. Ça n'a pas de maudit bon sens à quel point je t'haïs. Je pense que j'ai jamais détesté quelque chose autant que je déteste toi. Et j'ai mangé du ketchup mauve il y a 2 semaines. Ça me dérange pas de te le dire d'en face en fixant mon ordinateur. Je le sais que mes paroles peuvent laisser des blessures, mais moi, je m'en fous. Sais-tu pourquoi? Non. Bah, je t'aime pas, France. Je te déteste. J'espère que c'est clair. Ça commence à l'être. Et je voudrais m'excuser aux Français quand j'ai dit pendant la Coupe du monde de soccer que j'aimais pas la France. Ce que je voulais dire, c'est « j'aime pas la France, Beaudoin ». Dire ton nom, ça me dégoûte autant que des cheveux pleins de revitalisants pognés dans le fond d'un drain. Le seul point positif des changements climatiques, c'est que ça se peut qu'une tempête fasse tomber un arbre sur le cabanon de France Beaudoin. En passant, j'adore pour emporter, mais comme je suis pas capable de dissocier l'œuvre de l'artiste, j'haïs ça. Et je voudrais m'excuser à Pablo Picasso d'avoir appelé France Beaudoin une artiste. Ça reste quand même juste une madame qui pose des questions parce qu'elle a rien à dire d'intéressant. Mon Dieu, ça vient tellement jouer dans quelque chose que t'as dit en ouverture, pauvre France! Mais je le savais. Tu vois que j'ai raison. Mais oui! Puis je t'ai... Je l'ai pas mis là-dedans, là, mais je l'ai... j'ai aussi le fait que t'aies raison. Ils sont notre job en direct de l'univers, en direct... Hey, en direct de l'univers. Ça veut-tu rien dire comme nom d'émission, hein? Tout est en direct de l'univers, France. Mais en direct de l'univers a pris la première place des titres d'émissions qui veulent rien dire, qui étaient détenus... qui était détenu depuis tout récemment par Bulldog Bazar. J'étais tellement content de dire Bulldog Bazar. Je le voyais, Bulldog Bazar, arriver. J'ai fait, c'est sûr, je me plante. Je me suis planté. Et pour ça, je t'haïs, France Beaudoin. J'ai fait une liste des choses que j'aime plus que France Beaudoin. J'aime mieux les poignées de main molle que France Beaudoin. J'aime mieux la mauvaise soupe que France Beaudoin parce qu'au moins, la mauvaise soupe n'est pas payée avec des fonds publics. J'aime mieux chercher du parking que France Beaudoin, parce que quand je tourne en auto, je le sais que je vais pas voir France Beaudoin. J'aime mieux les structures des questions de Jean-Philippe Vautier que celles de France Beaudoin. Et c'est le truc le plus méchant que j'ai dit de ma vie. On m'a déjà posé la question, 3 femmes québécoises influentes avec qui tu voudrais souper. M'a pas de surprendre que t'es pas dans la gang. France, je t'haïs tellement que je t'aime. Mais cette phrase-là, c'est ma blonde qui a dit de l'écrire. Pascal Cameron! J'aime le barbecue, derrière du plaisir.